Bonjour à tous, ici Nefoya. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une découverte de Cypher Fire Emblem Heritage. Pourquoi pas d'ouverture, le nom du titre. Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai effacé la vidéo comme Maca, parce que j'avais plus beaucoup de place sur mon téléphone. Je vais pas enfin vous présenter. Il y avait le tapis de jeu, tout ça, vous connaissez tout ça. Mais bon, je suis désolée, mais bon, à la fin de la vidéo, il y aura une jolie, très très grosse surprise. Il y aura, je vous le montrerai. Allez, je vais pas vous spoiler, j'ai failli spoiler la carte de la fin. On a Corinne Messire Noble d'Honneur en évolution. On a Rigo Mastermind. Dédicace à Kono si tu vois cette vidéo. Je te fais des gros bisous. Voilà. Si tu vois cette vidéo, je te fais des gros bisous. On aura ensuite Inoka. Je sais pas. Inoka, je sais pas comment... Ah, Inoka, comment on dit? Inoka en mode... C'est sa évolution suivante, mais je connais pas très bien. Ensuite, on a Takumi Archidélite, qui est très, très magnifique. Et ça, j'adore. Et il est très beau. Et je sais pas comment dire, je ne connais pas très bien en japonais, malheureusement. Je suis désolée pour ceux qui voulaient que je lise en japonais. Alors là, c'est raté. Je sais, on n'est pas dans mon décor habituel et on est dans le salon parce que je suis tranquille. Ensuite, on a ma petite Sakura. Elle est trop mignonne, je l'adore. Sakura est très mignonne en mode... prêtresse, elle a la même robe que Mikoto. Quand elle était reine, Mikoto, si vous voulez savoir, quand elle épousait le roi, elle est en mode prêtresse. Elle peut soigner, elle utilise son arc dans Warriors et dans Fire Emblem Fate pour ceux qu'ils ont. Et ce serait bien dans Heroes qu'elle a aussi comme ça. Une évolution suivante. Ensuite, on a notre femme de ménage qui est toujours aussi maladroite, Felicia. Je sais, elle est toujours maladroite. Mais bon, elle est comme ça et on ne changera jamais une personne qui est toujours maladroite. On a encore Corinne. Corinne. On a encore Corinne. Corinne encore. Ensuite, on a Ryoma. Dédicacé. Connais encore. Je sais que tu vas dire Ryoma-sama, Ryoma-sama. Je la connais, elle va être folle. Folle de joie. Ensuite, on a encore Ryoma-sama. Ensuite, on a Inoka. Oups. On a Inoka, pour ceux qui adorent Inoka, je sais pas qui, mais bon, Inoka est très belle. Takumi, on a encore Takumi, qui est très magnifique aussi. On a Sakura-chan, encore, qui est très mignonne.
On a Corinne, Messire de Nord, si je me trompe pas. Oui, c'est Messire de Nord qui est très bien à sa place. Ensuite, on a encore Corinne. On a Azira. Azira, ma chanteuse de Nord, qui est très menée. Et ça, j'adore. On a Azira encore, qui est très mignonne et ça, j'adore. Elle est très, très mignonne. Pour tout vous avouer, je l'adore aussi. Dédicace à Loïc, si tu regardes cette vidéo, je sais que tu adores Azura. Très mignonne. On a Ryoma-sama. Conan, je sais que tu adores Ryoma. Je sais que tu vas l'adorer, kiffer. Et ça, tu vas adorer et tu vas le kiffer encore plus. Ça, je le sais. Je te connais très bien. Ryoma-sama. Dédicace à Conan. Je sais ça qu'elle adore Ryoma. Et ça, je peux pas m'en empêcher de dire, mais bon. Je pense à faire un prank la prochaine fois. Si tu regardes. Mais bon. Ça, c'est Ryoma encore. Ensuite, on a Inoka, Chevalier Céleste. Elle est très magnifique et ça, j'adore. Ma descente Pégase, il y a des plumes et le décor est très magnifique. Inoka. Ensuite, on a encore Inoka. Ensuite, on a encore. Je sais pas si c'est le même ou non. Je sais plus. Enfin, bref. On a Takumi en archer. Que tout va bien. On a encore Takumi. Si vous entendez du bruit, c'est la machine à laver. Désolée pour ceux qui voudraient du bruit, du calme. Désolée, mais il y a la machine à laver. On a encore Takumi en mode archer. On a ma petite Sakura-chan. Il est trop mignonne. Sakura, je l'adore. Sakura. Tout va bien, on va faire un peu. Moi, j'ai bien fait rétrécir la vie. J'ai bien fait de mettre en mode rétréci. On a Sakura, ma gardienne. Pourquoi je dis prêtresse, c'est sa évolution. Enfin, classe, vous voyez ce que je veux dire. Alors, on a encore Sakura. On a Saizo. On a Saizo qui est très beau aussi. Maître Ninja, si je me trompe pas, si c'est bien ça. Dites-moi dans le commentaire si c'est bien ça ou non. Parce que des fois, j'ai un doute. On a Saizo en Ninja. Comme son frère Kazé, c'est le. En fait, si vous connaissez pas Kazé ou Saizo, ce sont des frères jumeaux qui ont vécu dans le village. Ils ont grandi ensemble. Saizo, c'est celui qui est froid et Kazé qui est le vert. Saizo, je sais pas ça veut dire quoi en japonais. Mais enfin, bref, on a Saizo. On a encore et toujours Saizo. On a Saizo encore. On a
Setsuna, la vassale de Inoka pour ceux qui connaissent pas. Inoka ou la vassale de Inoka. Ça c'est une vassale. Je sais pas si en archidélite ou je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si archidélite ou non. On a Setsuna prise au piège, la pauvre. La pauvre, c'était en l'air aussi. Elle a la caractère, parfois ça l'arrive d'être tête en l'air, la pauvre. Mais bon, on la pardonne. On a aussi Setsuna. Encore Setsuna. On a Hinata, le vassal de Takumi, pour ceux qui connaissent pas Hinata. On a Hinata encore. Hinata. On a encore Hinata. On a Hana, la vassale de Sakura. Hana, ça veut dire fleur en japonais, pour ceux qui aimeraient savoir aussi. On a encore Anna. On a encore Anna. On a Rinka. On a Rinka qui est belle. Et je sais plus son nom. Ayato, si ça t'en va? Oui, c'est classe mage. Je sais pas, aucune idée. Enfin bref, bon. Bah, revoilà. J'étais en train de payer. J'étais en train de... On va faire un petit résumé. On a eu, en premier, on a eu Corinne. Ensuite, on a eu Ryoma. Ryoma Samie Pokono. Ryoma Samie. Ryoma Samie, tu me manques. C'était que Sakono. Je la connais très bien parce que Kono, je la connais. C'est une amie. Ensuite, on a la Inoka. Ensuite, on a eu. Attendez, des fois j'ai du mal à prendre les cartes. Enfin, on a eu Takumi. Je ferai attention pas à faire. Je ferai attention parce que c'est mon téléphone et parce qu'il peut faire pause et pourquoi je mets. Que ça vous éviterait de me voir galérer. J'ai aussi ça que. On a eu Sakura, désolé si. On m'a mis la carte brillante en avant. On a eu... Tiens. Ah, j'ai rangé peut-être. À moins que... J'ai fait une bêtise. Oh, tant pis, on a vu Felicia, vous l'avez vu. Tant pis. Je vérifierai tout à l'heure. On a eu... Azula. On a eu aussi... Saizo. On a eu Saizo. Comme ça, je vous laisse. Ah, je l'ai trouvé. On a eu Felicia. Je l'ai enfin trouvé sans faire exprès. Je l'avais bien mélangé sans faire exprès. On a eu ensuite. Setsuna-san.
On a pas celle de Inoka. Ensuite, on a eu Inata. Après, on a eu Hana. Et après, on a eu Rinka. Désolé, j'ai tremblé aussi. Ça fait. Et enfin, on a eu Ayato. Ben, avant de terminer cette vidéo, pourquoi il y a ce tissac rouge, vous vous demandez c'est quoi? Mais je ne l'ai pas dit aussi. Je vous prépare quelque chose pour vous. J'ai aussi des cartes. Oups, j'ai failli faire tomber sans faire exprès. Je vous fais gagner ces deux packs-là. Nord et Conquête. Je gagne un concours sur Twitter. Je vous mettrai le lien sur Twitter. J'espère que vous adorez de gagner des cifères. Ce sera pour vous. Je tiens à vous les faire gagner. Et ça me fera plaisir pour vous. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez un like, un commentaire, des pouces bleus. Partagez si c'est pas fait, si ça vous plaît. Et je vous dis bisous des 16 pour une prochaine vidéo des séries des dimanches. Ciao!